Bon, mais je suis de retour, hein. J'ai mangé et tout. Bon, moi je voulais aborder le sujet, là, on en parle souvent à la télévision. Ça fait plusieurs fois que je regarde les reportages. Il y a des communes qui mettent des terrains à disposition, moyennant un loyer à l'année. Ce qu'ils appellent les jardins municipaux. Voilà. Chaque citoyen qu'il désire, et surtout principalement ceux qui ont besoin, qui veulent se faire des légumes, leurs replants et tout ça, ils louent cette petite parcelle, ils se font des légumes, quatre fleurs, voilà, bon, un petit cabanon, un endroit aussi qui a de l'eau, bien sûr. Bon, après, il y a d'autres solutions, hein. Je trouve que c'est pas mal. Mais moi, bon, c'est mon idée. Si j'étais maire d'une commune, ce serait de mettre un terrain à disposition pour une ferme collective municipale. C'est-à-dire un grand jardin. Là, c'est pas une histoire de parcelle à plusieurs. Un grand jardin. Que tous ceux qui sont intéressés se réuniraient, et chacun ferait ce qu'il y a à faire. Et même à la limite, élever quelques poules, des lapins. Pas pour les regarder, pour les miam miam. Hein. Pourquoi pas un ou deux moutons, quelques chèvres. Et pourquoi pas une ou deux vaches. Pour se faire du lait. Parce qu'il va falloir prévoir beaucoup de choses, on va avoir beaucoup de problèmes, et puis ça coûterait moins cher, voilà, peut-être en sollicitant des bergers pour avoir un ou deux moutons, tout ça, bon, en leur expliquant, on y arriverait, je pense que c'est faisable, bien sûr, bon, il faut trouver un terrain avec un point d'eau, ou alors, bon, il faut solliciter des personnes qui ont des citernes qui s'en servent plus, et avec des remorques et voitures, aller chercher de l'eau, pomper dedans dans l'argent ou dans le canal. Ça se fait beaucoup aussi. Voilà. Je pensais à cette idée. Je sais pas la vôtre. Moi, je pense que ça serait une bonne idée. Bon, après, il y a l'histoire de la fauche. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est soit mettre un petit mobil-home ou une caravane, et à tour de rôle, chaque nuit, y en a un ou deux qui sont sur le terrain, ils dorment avec une tête de chien, montent la garde à tour de rôle, voilà, c'est la seule solution, voilà, c'est bientôt on y reviendra, hein, à se faire un peu tout de comme avant, hein. Parce qu'on va se faire plumer. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, je viens de voir, les Américains veulent importer le pétrole et tout. Ils vont importer. Mais vous allez le payer à la pompe. Hein. Je vous le dis. Ça va être du 5 euros le litre. C'est ce qu'ils voulaient, d'ailleurs. Être les maîtres de tout. Avec tout ce qu'ils ont fait ailleurs, ils voulaient être les maîtres de ça. Et ils vont y réussir. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de mon idée là pour la petite ferme. Ferme citoyenne communale. Ça serait, je pense, une bonne idée. Et bien sûr, il faut que tout le monde s'accorde leur violon ensemble pour faire ce qu'il y a à faire. Un peu comme les jeunes qui étaient les zadistes, là, que tout le monde a tant discriminé, là, qui voulaient protéger ce terrain. Mais c'est ça. Voilà. Voilà. Et pourquoi pas le surplus, le donner aux associations caritatives pour qu'ils les redistribuent, ou même les distribuer directement à ceux qui en ont besoin, en même temps. Voilà, c'est ma petite idée.
Si j'étais maire, c'est ce que je mettrais à disponibilité. Et j'ai de même donné la main. Eh oui. Un maire engagé, c'est ça. Il faut qu'il se retrousse les manches et qu'il mette les mains. Quand on ne se retrousse pas les manches, il n'y a pas de citoyenneté. Voilà. Bon, quelle heure il est? Ah, 21h15. Je vais aller me coucher. Il n'y a rien à la télé qui m'intéresse. Je pense, j'espère que je vais être tranquille ce soir, que je vais pas être comme hier soir. Hein. D'accord. Vous étiez la première partie. Ça n'a pas l'air, voilà, pour le moment. Ça a l'air d'être calme. Peut-être que je commence à me détendre un peu. Allez à tous et à toutes. Monsieur le maire de Vidauban, également, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne nuit à tout le monde. Reposez-vous bien. Et puis, ben, je vous dis à demain. Hein. Si on est encore là, c'est on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la nuit. Hein. Pour chacun de nous, hein. Individuellement ou tous ensemble. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça, c'est des mystères de... Les mystères de la planète. On peut très bien tous disparaître dans une nuit sans s'en rendre compte. Allez, sur ce, je coupe. Et je vais aller me mettre en pyjama, quoi que j'y suis. T-shirt, short, et je me mets dans mon lit. Ou peut-être dans mon fauteuil, comme il s'allonge, je ne sais pas, je vois. Les fenêtres ouvertes, tranquille. Voilà. Vous croyez que l'homme nous a été meurtri? Allez. Sérieusement? Je coupe. Bonne soirée à tout le monde. Monsieur le maire, je vous salue. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je n'ai rien de particulier contre vous. Des idées différentes qui nous séparent. C'est tout. Voilà. Allez. On a un témoin.